faute est partagée. Je pense que l'erreur est partagée. Nous avons produit des alertes dans nos bulletins, si vous les lisez très bien. Nous avons parlé des séismes hybrides qui indiquent une éruption imminente. Mais nous avons, puisque c'est à ce moment-là qu'on avait des informations, on s'est dit, c'est maintenant le début. Donc notre alerte, nous avons lancé, mais nous avons cru que c'est le début. Malheureusement, ça avait commencé longtemps que nous étions dans une période là de qui cherche. De la population de la ville de Goma et ses environs, que l'Observatoire volcanologique et de la protection civile confirme l'éruption du volcan Nyiragongo depuis ce 22 mai 2021 vers 19h. Il est 21h52 à Goma. Il y a éruption volcanique du volcan Nyiragongo. Et puis on a vu la foule de gens venir de quartiers périphériques, genre vers Majengo. Majengo, c'est un quartier qui se trouve tout juste à côté de la frontière entre Goma et l'intérieur de la province. Alors on a vu un afflux de gens venir à la grande barrière pour traverser la douane et c'est comme ça qu'on a su qu'il y a éruption. On a entendu partout dans la ville, les gens soit disent que non, il y a l'éruption du volcan Nyiragongo. Alors c'est comme ça qu'on a vu les gens trembler, ça a causé une peur immense dans le cœur des gens, alors les gens ont fui. On l'a vu partout dans la ville de Goma, ce sont les gens qui sont en train de fuir. Et ici, dans le centre de ville, surtout à la grande barrière, il y a autant de personnes là-bas qui disent que non. En 2002, c'était la même chose. Les gens disaient qu'il y avait éruption. Mais il y a ceux-là qui négligeaient cela. Alors aujourd'hui, les gens ne se disent, ils ne veulent plus négliger qu'il y a éruption. C'est comme ça qu'ils sont ici. C'est pour prévenir que si vraiment les laves arrivaient dans la ville de Goma, ils seront déjà à la douane et ils sauront comment fuir vers Gisenyi pour aller s'abriter à la montagne Bubavu de Gisenyi. Bonjour monsieur, vous allez où? En fait, je suis en train de me diriger vers le Rwanda. Pourquoi vers le Rwanda, monsieur? C'est le seul refuge qu'on a. Hein. Pourquoi les refuges? On n'a pas le choix. Autrefois, en 2002, les gens se sont dirigés au Rwanda. J'étais encore un petit enfant, un petit gamin, alors je me décide aujourd'hui d'aller direct au Rwanda. Mais qu'est-ce qui vous motive d'aller juste au Rwanda? Pourtant, il y a... En fait, j'ai vu une grande masse se diriger vers là. Alors moi, je suis la masse. Mais pourquoi la masse vous dirige, vous motive et que c'est pas le problème? Étant nombreux que mourir seul. Hein. Et donc, monsieur, vous allez au Rwanda? Oui, je me dirige vers le Rwanda. Malheureusement, le pays voisin ne veut pas ouvrir leurs barrières. Comment vous l'avez su que les pays voisins... Mais on a des informations. Pourtant, vous êtes encore en route. Ils sont précédés là-bas. Ils disent que ça ne passe pas, ils n'ouvrent pas. Alors, nous nous dirigeons là-bas, étant une grande masse, peut-être on va ouvrir. Thank you.
Maintenant, j'ai retrouvé comme grande barrière. Il était au moins ma 18h. Pourquoi tout le monde est comme activité, ça qui est normal. Ça qui est là, c'est que je suis en train de faire ma moto. Les gens prétendent qu'il y a une éruption. Alors, pour éviter, je suis en train de faire ça. Tu sais ce qui s'est passé en 2001. Je suis en train de négliger une vie. Alors, arrivé avec le temps, on s'était rendu que je suis en train de rencontrer la retard. Il y avait beaucoup de morts. Alors, cette fois-ci, je suis en train de faire ça. Ils ont jugé mieux pour qu'il y ait un. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas des informations claires. Hein? Volcan est en train. Nashuka ngambo ya Turunga njo ile volka ile inashuka bia mapanike marobi kuwe njo hii volka hii niko kunivua makao vrema niko kunivua makao batu bajikaze bakimbie kule batu ya Turunga bajikaze baende makao hii makao hapa makao hapa vrema batu bajikaze bakimbie kabisa hape hii kabisa kunivua makao kabisa ile mashamba hote ya nyuma ya makao unaonesha nyuma hapa siyo les autorités à Bayatambi, à ce qui se passe réellement, comme si on peut rester à la maison, on va gagner qu'on a réussi, on n'a pas d'informations claires. Alors pour éviter nos chiffres, je vais expliquer au Kouyapa, être parmi les premières personnes et profiter de l'occasion au cas où il n'y a pas de danger pour la vie de Goma. Il est 22h10. La population est toujours retenue à la grande barrière. Les autorités rwandaises n'ont toujours pas ouvert les frontières aux Congolais fuyant l'éruption du volcan pour se réfugier au Rwanda. N'ayant toujours pas eu de suite favorable pour traverser le Rwanda, certains jeunes passent leur temps à s'amuser avec la musique. Tant mieux s'occuper avec la musique et la danse que de rester en train de penser que leur ville est en train de prendre feu et qu'ils peuvent aussi en mourir s'ils ne quittent pas la ville le plus tôt possible. Alors, ils disent tant mieux s'amuser en dansant et en chantant que de voir la ville prendre feu petit à petit et ils ne peuvent rien pour empêcher cette catastrophe. Ulifika hapa ae? Ulifika volka. Volka alifanya nini? Ilitambuka. Na juu fika hapa ulikia na nani? Ulikia mimi na wewe. Ah bon, wazazi wenu biko wapi? Biko tu mama. Mkapotea mtajua njia ya Turunga. Mshafika hapa kwa muko? Sasa? Mshafika hapa kwa muko? Hapa njo wapi? Hapa njo hii njo hotele hii. Maki mkatoka hapa fasima mtuweza kutia kwenu? Kisha munazania munikuya kuchumu kwa naenda wapi? Munikuya kuchumu kwa naenda wapi? Kisha Rwanda nye peke bila wazazi mtaweza wapi? Make munenda Rwanda bila bazazi me amuyesku mtakutana nabo ndio tunazikwa na nani
Tous les quartiers et toutes les rues presque vides. Tout le monde s'est déjà enfoui, soit vers le Rwanda voisin, soit vers Sake à l'ouest de la ville où les volcans n'arrivent jamais. Heure à laquelle la nouvelle agréable qu'on attendait tous nous parvint. Finalement, les autorités rwandaises s'étaient décidées d'ouvrir les frontières aux Congolais qui voulaient traverser pour le Rwanda pour s'y abriter au mont Rubavu. Heureusement, les dimanches 23 mai s'est bien annoncé avec une matinée plutôt calme, malgré quelques tremblements de terre. Nous nous sommes décidés d'aller vers le nord de la ville de Goma, à Kibati, l'endroit où la coulée de lave s'est arrêtée. Là on est dans les laves, là il y a de la fumée. Je suis avec mon ami, on est dans les laves, en train de voir là où en train de voir les effets. On sent si c'est les soufres ou si c'est les phosphates, si c'est quoi, on ne sait pas. Mais c'est voilà. Ici sur le
On est là, on monte. Là, on voit, vous pouvez voir. Les gens sont en train de voir, il y a de la fumée partout, on ne sait même pas voir la route. On a situation cool. Bon, mina toke hadi tu iko mubaya. Malave kule, lave zinafikia hapa sigani kule. Lave nungusema iko hapa ku mwanzo ya manyumba ya Kilimanyoka. Mwanzo ya manyumba ya Kilimanyoka. Tembela pa hivi, kule walikimbia wala ilunguza manyumba za watu wala. Haikulunguza manyumba za watu kidefe pembeni. Ilidefe pembeni na mashamba za watu kule vilikuwa. Mashamba ilipita ndani. Mina toka Ruchuru kiwanja. Njo kwenye mina tokea kufika hapa Kilimanyoka, njo nikakutana vurukisha gavula barabara mara pili. Kisha hii lave hauko iogopa. Lave. Bo lave mimi napasha iogopa ju parce que niko mwanadamu. Alife. Kisira. Tembea ba kula feri ko hapa. Hakuna watu nyuma yenu. Nous sommes en train de montrer les gens les chemins là. On appelle les personnes par on leur dit seulement qu'on est là. Puis ils entendent notre voix, ils viennent des Routours. Ils viennent des Routours, la route elle est barrée. Alors là on est dans les feux, en tout cas ici c'est la lave. La lave elle est là, on peut même toucher. On peut même toucher la lave, elle est là. Ça c'est la lave. Hervé, tu peux nous montrer la lave? C'est la lave, il est là. Et là vraiment c'est encore chaud. Mais c'est pas vraiment chaud, oui. Mais ça ne brûle pas, c'est un peu chaud seulement. Oui, c'est un peu chaud. Là, on est en train de montrer aux gens les schémas. Seulement en l'air disant qu'on est là, ils savent qu'on est là. Ah, ok. Là, on voit, il y a un papa qu'on a retrouvé. Voilà. Parole, tu t'aimes, la fille. N'y m'a pas battu. Il y a encore beaucoup de monde là derrière. Jambo mzee. Jambo sana. Unatoka wapi mzee? Butembo. Butembo. Unatoka Butembo. Ndio. Manake hapa mumeishia kule mbali sana hapa maana unakaa na migulu. Tunakuwa na migulu karibu saa tatu. Sa 3 heures. 3 heures de temps na mungo natembea. Ndio mufike huku. En tout cas courage karibu pita tu bien mwi moshi. Karibu. Shuke hapa tu karibu njoo kukonjia. Mutembele pembeni ya gurudro tu. Utembe tu pembeni. Lave kwa mingi pale. Utembele pembeni. Ngamba chini. Tuende bien ngamba chini vitu iko ready. Museme na sauti tu azu. Yes. Boy, la vengali moto. Pembeni njo mupite. La vei. Karibu mama, karibu. Moi, bore ko moto, tezi ata lunguza kiat. Ado katikati ya lave. Karibu mama, karibu. Lave. Batu mituko na wasaidia kupita. Ya butro. On est en direct.
On conduit les gens, tu vas tout afficher que Goma déjà. Tout comme on lave déjà, tout comme un volcan. Si il n'y a pas tout comme un volcan. Mokuba, où on a goûté la feuille au la kamata libu. Il tournait, les libres. Il est là. Là, on est en train de fuir. Mamma mia! Ça commence à éclater. Le volcan menace. Les volcans menacent en tout cas. On a entendu qu'il y avait des éboulements. C'est comme ça qu'on vient de fuir. Et tu te les aies bien, mais quoi pas les oies toi qui me C'est déjà compliqué. Si vous venez déjà avec moi, c'est compliqué. Parce que tout le monde fuit, il y a déjà des sons. Ce qu'on a tout cas déjà, c'est compliqué. On peut monter ici. S'il y a plus de panique, je monte avec vous. Diago, vous parce que il est seul. Les sons là, il n'a pas paniqué. Non, Joan. On a ton capido, maestro. Joan, il m'écoute. Je suis venu chercher des images parce que non pas tout garder ma souvenir d'attaquer les souris aux embâches, non pas créer ma souvenir parce que c'est notre job en tant que photographe. Yep. Je suis venu à la recherche. Je pense que c'est ça. Mais Don Juan, mon mari qui est arrivé, il n'a aucun photographe, mais il risque ça, ça n'a aucun photographe, mais il risque ça, ça n'a aucun. Mais c'est un Il est boulement tena.
Éboulement, mon frère. Donc, Kaligula, Mouto Ayouaké. Il y a un peu qu'on a tiré, la coule à est contrôlée. Vous voyez, derrière moi, il y a la lave et après, derrière moi aussi, vous pouvez voir la fumée. Et ici, c'est l'endroit où il y a une coupure de route. Mais soyez calme, parce que toute chose est sous contrôle. Et il y a aussi OVG qui est déjà sur place. Et donc, toute chose est vraiment bien. Donc, soyez calme, ne paniquez pas. Nasema kwa jina la OVG. Tunataka ambiwa kazi gagaji hivi ya kwamba jana siku ya kwa Dimashe, jana Dimashe le 23 tulifanya silvol kwa msaada wa helikoptera MONUSCO. Tunasema asante. Tulifanya vile vile tere, tulizunguka fasi yote ulipita live. Tukaona kwamba barabara ilikatika zaidi ya kilometre moja na love. Tunaona vile vile jambo lingine pole kwa wandugu wa kule Mutaho, Kabaya, Kasenyi, Wene wenye walipata shida, nyumba zao zinaenda. Tulipita kule kote na kwa sasa hakuna tena kule de love, ni kusema love haishuki tena. Wakazi wanapaswa baki kimya kwa hiyo ngambo, ila tunaona kuna mitetemeko sasa ya ardhi. Hiyo mitetemeko nayo ni shida, kwa sababu kama unakaa ndani ya nyumba ulijenga vibaya, haina fondasio, nyumba ikaanza kaanguka. Tunaona wakaaji wakati wanaposikia mtetemeko ni vizuri kutoka nje.